Vous allez faire des tableaux. Des tableaux avec une croix. Pourquoi une croix ? Parce que c'est la croix de Jésus. La croix de Jésus. Et qu'est-ce qu'elle représente ? En ce mercredi matin, les enfants de la catéchèse du doyenné d'Altkirch sont invités à vivre un temps fort. Tout commence par un atelier où chacun s'exprime avec ses dons artistiques. Donc ils font un tableau qui leur servira pour prier pendant le temps du carême. En ce moment, on regarde les lignes et on choisit pour écrire dans la croix. Oui, on choisit. Ça te parle, les cendres, mercredi des cendres, c'est quoi pour toi ? C'est le mercredi de carême. Et qu'est-ce qu'on fait au carême ? Au carême, on prie et c'est les 40 jours avant Pâques. Il s'agit en effet pour toute l'équipe d'accompagnement d'expliquer ce temps du carême qui prépare aux fêtes de Pâques. C'est important qu'ils prennent conscience de cette fête de Pâques qui est centrale dans la vie du chrétien. Voilà. Les enfants situent toujours Noël comme étant la fête importante de l'année pour les chrétiens. On veut leur faire comprendre que le plus important, c'est Pâques et que cette fête de Pâques mérite un temps de préparation. Le temps de carême, c'est se préparer à libérer son cœur de tout ce qui nous encombre. En fin de compte. Et c'est ça qu'on leur apprend, que de laisser tomber un peu leurs jeux vidéo, aller plutôt vers l'autre, donner un peu du temps à la mamie, aider une personne qui en a besoin, voilà, faire des choses comme ça, c'est les amener aussi à ce temps de Pâques. Après l'atelier vient le temps de la célébration des cendres dans l'église Saint-Renan. Dans ta tendresse, répands sur tes serviteurs qui vont recevoir les cendres, la grâce de ta bénédiction. Ces cendres nous rappellent la fragilité de notre condition, la pauvreté de notre condition, mais aussi qu'avec cette condition, avec ces cendres, Dieu peut faire des grandes choses. En venant en procession pour recevoir les cendres, c'est toute une démarche spirituelle qui se manifeste. Le carême, c'est peut-être donner une place un peu plus centrale à Dieu. Voilà, c'est un peu comme on aime bien ranger sa maison, refaire un peu d'ordre pour bien retrouver ses affaires et mettre en valeur celles dont on a besoin. C'est redonner la place principale de nos vies à Dieu. Ces enfants sont venus pour certains avec leurs parents. Des parents qui ne peuvent que constater les motivations profondes de leurs enfants. Mon fils, je ne le traîne pas pour venir ici ou à des cérémonies religieuses. Il aime vraiment y aller, même à l'école. Le lundi, il y a religion, donc il me dit, le lundi c'est super, il y a religion à l'école. Donc voilà. Et puis depuis qu'il est tout petit, depuis qu'il a 3 ans, il me dit, moi je veux faire ma petite communion. Que retenir du mercredi des cendres à la fin de cette célébration ? C'était bien. J'avais plein de questions à poser. J'ai eu mes réponses et c'était trop bien à voir. Et tu as retenu quoi alors de cette célébration ? J'ai retenu qu'on m'a mis de la cendre sur le front. Et alors, ça t'a fait ? C'était un peu rigolo de mettre de la cendre sur un front de quelqu'un. Cette célébration, on parlait de Jésus et de quand il a été ressuscité. Voilà. Le coup d'envoi du carême ayant été donné, chacun repart avec son tableau qui sera comme un rappel à vivre chaque jour cette montée vers Pâques.